Win, incroyable. C'est rare. Je suis vraiment content. Je vais juste faire l'exportation. Au final, on n'a pas fait de game champion, mais bon. Je préfère m'arrêter sur ça. Donc ce soir, on va faire quoi? On va faire bah, comme d'habitude, en fait. Donc Rocket League exporté. On win un tournoi diamant. Tac. Public exporté. Franchement, on a tellement bien joué. On méritait tellement de gagner. Que moi, je suis heureux en fait. 100 000 joueurs sur Epixel. C'est des malades. Ok. Du coup, vu que je viens d'arrêter le stream à l'instant, j'ai rien de préparé, je suis désolé. Je suis monté mode opus, incroyable. Du coup, on va être en chasse Pixelmon en toute modération plus. Et oui, je suis passé modérateur plus. Après longtemps. En vrai. Je suis passé Helper Plus au bout d'une semaine, Modo au bout d'à peu près 2-3 semaines, je crois. Et là, ça faisait longtemps. Mister, est-ce que tu as vu notre magnifique win sur ce tournoi diamant? Moi, j'étais content. Eh, ça fait du bien d'avoir vraiment un mate bien pour une fois. Pas Knell, il est mauvais, hein. Franchement, maintenant, on gère bien avec lui, mais d'avoir un bon mate aléatoire, oui, très belle. Oh là, incroyable. Il y a que 18 personnes sur Omega. Hein. C'est pas tant que ça. Hein. Ah, il y a Rico qui est passé dans le stuff. Oh. Bienvenue un peu en retard, Rico. Hop, bah du coup on va se mettre à l'endroit de type 0. Hop. Claim. Liste. Allure. Je vais changer de scène. Hop. Je vais mettre sur ça et je vais juste aller à mon claim list. Faut que je trouve le bon par contre. Ok, hop. Du coup, on est reparti. Je demandais quand même. Quelqu'un aurait type 0 pour le Dex. On sait jamais, hein. Je vais faire un petit Wonder Trade, hein, ça fait longtemps. Non, Granipio, je peux pas l'échanger. Hop, toi. Magikarp, super. Bah, mon ami, les raids, c'est très simple, Nagini. C'est juste un combat de boss. As-tu Gouroutan? Bah non. Marrant que tu dises ça. Ouah, 2, 8, 2, 4 et 8 heures les légendaires. Ça fait beaucoup là, non? Et il y a eu un Zekrom. Un Meluetai, hein? Xerneas. Hop, du coup je me place là. Et on est parti. Je vais lancer Let's Go du coup. Hop.
Du coup, en musique, j'ai changé. Au lieu de mettre des covers rock d'opening, je me suis dit, tiens, et si je prenais exactement les mêmes openings, mais, je mets une version guitare. C'est tellement plus chill. Ah, c'est bien, c'est rare d'habitude, elle se connecte pas direct. D'habitude, faut que je débranche un minimum. Y a Among Us sur Switch, c'est vrai. Tac. Du coup, l'objectif de ce soir, ça va être de remplir le Pokédex. On va y aller tranquillement quand même. Hop, je vais essayer de me placer histoire d'être bien avec le fond vert. Tac. Normalement là, ça devrait être bien. Ok, on est parti. Ah oui, il faut que je connecte ma manette. Na. Ok. Je vais juste débrancher et remettre. Incroyable. Du coup, Pokédex. Ah, ça lague un peu. Du coup, toi, on va t'obtenir là. Les pierres. Donc, il nous faut une feu. Trois lunes. Deux feux. Deux feux, trois lunes. Une eau, je vais les noter. Deux feux. Deux feux, trois lunes, une eau. Là, c'est par échange, gna gna gna, échange. Est-ce qu'il a besoin de coquillasse? Je sais jamais. Vrai que j'aurais mes votes à un moment à faire, faut pas que j'oublie. Coquillage, je crois pas que c'est avec une pierre eau. Si, aussi, putain. Ils évoluent tous avec des pierres, hein, c'est ouf. Cette génération, elle est vraiment horrible. Hein. Tout le monde évolue avec des pierres. La noix de coco, pierre plante, hein, il me semble. Pierre plante. Une plante. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. C'est tout après. Ah bah si après, bah il y a encore les trois évolutions, mais je pense pas que je vais les faire. Enfin si, je vais les acheter quand même, donc faut que j'ajoute une feu, une eau et une élec. Une foudre. Waouh, mec. Oh, faut que j'achète 11 pierres. Je m'appelle Pierre, champion du type Pierre. On est parti. J'ai tapé dans ma tour. Je vais regarder où est-ce qu'on peut les acheter. Pierre évolutive Pokémon, let's go. Alors la seule pierre que les joueurs ne peuvent pas acheter, c'est la lune. Ah ça c'est pas cool. Comment obtenir toutes les pierres? Je m'appelle Pierre. Après, je peux transférer, mais... Ah, c'est la Dopole pour que 5 000! Ça me paraît si peu. Ah oui, c'est vrai, faut utiliser le Fly Pika. Pi! Envol. On va prendre l'envol de l'oiseau. Je me souviens absolument pas. Ah.
Ah, on y va à taux de drac au feu. Oh. Incroyable. Jetez un petit coup d'œil quand même. Hein. S'il n'y a pas un Goroutan, comme ça c'est fait. Hein. Il manquera réellement Rhinastock. En dernier poké. Mec, Aéromist et Flamoutan, genre. C'est pas censé être comment ça? Ça doit être ça, non? Je pense. Est-ce que le son est bon d'ailleurs? Le son du jeu, il me paraît très très bas. Hein. Normalement là c'est mieux. Normalement là c'est mieux. Il me paraissait pas très fort en fait. Et que ça ressemble pas à une... Ça doit pas être ça. T'es avec Oxys là d'ailleurs, Mister ou pas? Résidence, ouais, non, c'est absolument pas ça. Bah, ça m'a l'air d'être un peu plus ça quand même. Mais c'était sûr en fait. Steph, à quoi sert la clé de Dragna? Ça sert. À ouvrir les portes pour une autre zone. Alors les pierres évolutives, je pense elles sont au dernier étage. Hein. Je suis chez mon père, là je suis rentré aujourd'hui. Ok. Ouais, c'est pas là. Hein. Sans étonnement. Ouais, vas-y, go. Let's go, Vok. Hein. Yo. Hello. Ça va? Ça va, tranquille. Tac. Tu peux te connecter ou... Ouais. Oh là là. De demain, je rentre chez ma mère. Ok. Moi, je pars peut-être demain. Je sais pas. Ok. Yes. Oh, MDR. T'étais pas parti Si, pas mais longtemps? c'était que pour le week-end et là, je vais revenir. Enfin, je vais y retourner. C'est marrant, il y a un endroit où il y a des Switch. Et t'as des pubs pour Pokémon Quest. Dessus. Ok, pourquoi pas. Tu vois c'est quoi? Ouais, je vois. Ok. Je fais partie des gens qui ont terminé ce jeu. Putain. Malgré un reset de ma sauvegarde. Je t'ai Il doit dégagé. pas y en avoir beaucoup. Hein? Il doit pas y en avoir beaucoup des gens Attends, il qui ont donne la terminé ce jeu. pierre glace pour faire évoluer qui? Ah, Goupix. Goupix, c'est sa blette, sûrement. Ah ouais, du coup, il m'en faut combien? Je crois que j'ai pas assez d'argent, mais je vais devoir me refaire la ligue. Piflore, il lui faut pas une pierre plante aussi? Je me demande. Ah, c'est possible. Il me semble. Ah oh ouais, putain, ça veut dire qu'il m'en faut encore plus. Fais mes petits votes là. Attends, je vais voir si j'ai Rafflesia. Parce que Rafflesia, je sais qu'il lui faut, lui. Mais je sais pas si je l'ai noté. Ou si je l'ai déjà.
En vrai, je peux essayer de partir sur le top 3 en vote. S'ils votent pas tous les jours les autres. Si je crois le troisième, justement, il est proche de se faire attraper là. Donc Ouais. il vote. Bon, ce sera top 5. Na Top 5 na sûr, mais top 3. Du coup, faut que j'achète 3 feux. Bon, Une ça c'est pas foudre. cher. Oh merde, attends. 3 O. Et combien de plantes? 2. Nanana. Ah, il faut que je me débarrasse de mes roucoules. Cassez-vous. T'as pas réussi à l'avoir enchaîné. Non, hier j'ai rechassé pendant 3 heures, je l'ai pas eu. Enfin, même plus, je crois. Ah, des fois, bah, toi t'as eu toute la chance au début, mais c'est tout. Ouais, là le roucoule il voulait pas. Après, c'est parce que je ne suis pas là. Ouais, non, mais c'était sûr en fait. Je me suis dit, putain, il fait chier. Pourquoi il est pas là? C'était horrible. Ça fait chier là d'attendre. En plus, les roucoules sont chiants, ils font que se déplacer. C'est trop chiant de moi. Ah bah. J'aime plus roucoule. Je l'aimais bien dans Pokémon Go, c'était le premier gros Pokémon que tout le monde avait à peu près avec Aqualie. Ouais. Et là. Nul quoi. Je ne veux pas. Je suis puni. Ça. Parce que le Ça, lendemain, j'aime j'allais bien. gagner un tournoi, c'est ça? Pour une Ouais, fois. ça. Non, franchement, sympa. J'ai vu les deux dernières games. Ouais, sur la finale, ça s'est joué sur 3 games. La première, bon, ils ont eu de la chance. La première, ils ont eu de la chance, ils ont mis un 4-2, enfin il y avait 4-0, on a pu rattraper un petit peu, mais ils ont vraiment chaté. Et on s'est bien rattrapé quand même. Et sur la suite, Bah, bah on a bravo. juste bien joué en fait. GG. Va falloir que je m'y remette à Rocket League avant de commencer. Là, je crois que je suis retourné genre. Au niveau, il est passé d'un plat 3 à un plat 1, je crois. T'étais rank combien toi, plate 1? Non, j'étais plat 3. Ah oui, je me disais bizarre, hein. Ça me paraît bien peu quand même. Mais voilà, là je suis plat 1 sur ça. Ah, le son du jeu il est fort, oui, en effet. Hop, on va baisser. Hein. Ouais, il est bien là. Je l'ai baissé en fouillant. Oh que non! Et bienvenue à Kai. Oh, t'as le seum d'être deuxième du coup. Ah, c'est cool. Ouais. En fait, genre le gars, il y a juste un truc qui marche et toi, il marche pas. Ça se fait tellement pas. Comment on peut partir des messages sur le chat comme ça? Comment? J'ai trop de pas de serre et pas supprimer ce message. Ouais, Et merci. un petit bannissement. Ouais, je pouvais que le bloquer, je pouvais pas descendre plus bas. J'arrivais pas à Bah, ban. faut que paramètre du chat. Je sais Je pas, l'ai le mis délire, à en plus de faire off. ça tout seul, aucun intérêt. Là dans genre le paramètre du chat, en bas à droite, tu fais afficher les icônes de modération.
Et bien vu, bien comment vu. t'as ça? Merci. Petit tartare. Ça. Petit tartare de grenouille. Incompréhensible, les gens qui font ça. On remarque c'est les petits jeux. Ival, j'ai tué les deux golems, j'ai rien reçu. Normal. Car c'est le boss golem à kill. Pas les deux petits. Enfin, les deux petits entre guillemets. Hein. Ouais. Bah, les deux petits font plus mal que le gros, je trouve. Après, si ça se trouve, il a déjà été fait il y a pas longtemps, donc c'est pour ça qu'il n'a que les deux petits. Sacrifice, bien sûr que je ne veux pas la prendre. Ok, prochain. Ah, c'est vrai que j'ai Pika. Hein. Ah, mais ça me fait chier, j'ai pas envie de faire évoluer mon shiny maintenant. Ah, bah non, mais je l'ai déjà. Je l'ai déjà, Raichu. Les pierres lunes, j'ai pas. Goupix. Inclure. Du coup, le prochain là. Coquillasse. Oh, il y a un Riddim. Incroyable. Je switch sur cette. Sur celle-là. Ah. D'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai un 4,4, je crois, en PB. 4,3. Genre, j'ai gagné 0,3 PB en votant. Ah ouais? Putain, moi j'en ai Ouais. gagné qu'une fois. Oh putain, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est récupérer les votes. Je sais pas si t'as vu sur l'annonce, mais ça c'est un truc qu'il y avait eu à la Réunion. Par rapport au vote, parce que pour relancer un peu les, on va dire la hype avec les anciens joueurs. Vu Ouais. que les votes, c'est un truc qui booste beaucoup le serveur. Il avait dit aux membres du staff, ouais, voter, ça met vachement en avant plus qu'on ne le pense. Et ce qui avait été dit, c'est genre, bah ouais, mais voter, c'est chiant et c'est pas forcément intéressant pour les anciens joueurs. Et du coup, ce qui a été proposé, c'est de changer, enfin, de mettre une récompense rare. Et du coup, la récompense, c'est 1% d'avoir Régis Draco ou Eleki. Oh. Et ça, je trouve ça vachement bien. Ouais, Enfin, c'est ça, bien. c'est une très bonne idée. Quand j'ai vu ça, j'étais en mode, putain, mais les mecs, incroyable. Un truc chiant, Ouais, c'est que c'est c'est pas trop pas mal l'idée. échangeable, et du coup, je pense qu'il compte dans le Pokédex pour le charme chroma, et ça va être chiant. Ah. Mais non, mais j'ai encore un an, tu vois, au bout de 95%, peut-être pas 100%. Bah non, je suis à 98. Et bah voilà. Je vais refaire un petit coup de Wonder Trade, du coup. Bah surtout que ça coûte rien au serveur. Un Ariamar. Et ouais, c'est pas. Pas plus mal. Pas plus mal. Tiens. Vote. Mais ah ouais, mais du coup. Attends. Les votes qu'on fait sur les autres serveurs, genre Beta et Omega. Delta et Omega, là, pardon. Faut qu'on aille directement sur le serveur, ensuite on fait récupérer les votes, on est d'accord? Répète-moi. Les votes qu'on fait sur Alpha, on les récupère plus tard, mais c'est le même principe pour les autres. Genre, si on récupère ceux d'Alpha, on peut récupérer aussi ceux Ça faudrait en parler de Vietnam. justement parce que c'est pas le cas. Si Ok. tu les récupères, tu peux récupérer que sur un serveur. Ok, c'est ça. C'est ça qui est chiant. Tac. En vrai, je vais. Attends, c'est quand mes votes? Dans 13 minutes.
Ouais, je vais les récolter là. Donc dans 13 minutes. Regarde bien que t'es assez de place dans ton inventaire. Parce Ouais. qu'à mon avis, toi, tu vas en avoir pas mal. Mais non. Bah, tu fais 539 divisé par 3. Non, j'en ai pas. Sur. J'en ai pas autant. Tu les as déjà récupérés? Ils me disent j'ai 330 récompenses en attente, donc je dois en avoir 100 là. Si on divise par 3. Ok. Environ 110. Oh, t'as déjà plus d'un stack de. Ouais, j'ai un stack. J'ai plus d'un stack. J'ai de grandes chances d'avoir au moins l'un des deux. Ouais. Mais il a dit, Nebu, sur son truc, que tu pouvais avoir les deux. Genre, t'avais quand même une chance d'avoir les deux, mais. C'est bien. Mais mec, c'est. À quel moment, genre? Bah t'as une chance. Donc t'as 1% de chance d'avoir un, 1% de chance d'avoir l'autre. Donc t'es à 100 fois 100. En gros, t'as 10 000. T'as une chance sur 10 000 d'avoir les deux. Pas très élevé, c'est pas très élevé ça. Écoute, Putain, mais je crois que j'ai déjà plus personne à faire évoluer. Après, il y a les évolutions. Ah oui, il faut que j'aille chercher des pierres lunes. Est-ce que j'ai noté? Alors, la pierre lune. Pour l'obtenir, les joueurs devront fouiller les cratères du mont Lune. Les joueurs peuvent Et obtenir une pierre c'est lune pour chaque jour. Chiant. avoir qui un pyramide? Pour avoir Méloféron Doudou, Nidorina, Nidorino, bah sous forme évoluée quoi. Ok. Nidorina, Nidorino, c'est en pierre? Ouais, je. Ça j'oublie à chaque fois. Ok. Je savais pas. À la limite, si j'ai la flemme, je peux en transférer. Mais le Delph et Goro Doudou, je dois en avoir sur Go. Attends, c'est où que je veux aller? Mon Lune, du coup. Ah oui, déjà, je vais faire évoluer nos 9. Il y a beaucoup de Pokémon qui évoluent par pierre, par échange dans la première génération. C'est trop chiant. Ah, oh, je suis à 3 votes du 5e, je le sais. C'est où qu'on voit les récompenses pour les votes? Je sais pas. C'est sur Sur Discord que t'as Discord? eu Attends, l'annonce que tu pouvais voir. Mais je je vais sais voir pas. Discord. Je sais pas s'il y a écrit. La 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 la. 10 minutes pile. Ah, il me reste peu d'argent. Annonce. Faut que je regarde aussi qui je dois aller chasser là pour les Tendre. évolutions, hein, Pierre. Ah oui, Chétiflore qu'il faut que je chope. Échange, échange, pas échange. Échange, lui il est pas dans mon jeu, je crois. Soporifique. Le premier à 15 PB, le 10 à, le deuxième à 10, le troisième à 5 et le reste à 2,5 PB. Ah. Ok, bah écoute. Je vais tout faire pour être dans le top 3 pour ça. Mais c'est pas sûr que j'y arrive. Mais en vrai, franchement, c'est grave possible que j'y arrive parce que ça fait que depuis le 15 hein, que je vote. Hein. Je suis déjà à 187. Je suis déjà à la moitié du troisième. Non mais Même c'est méga si. fast hein. Ouais. De toute façon avec la technique Ouais, bah. si tu fais ça vas-y sur une semaine c'est bon quoi. Nous allons J'aime beaucoup le visiter. design des top dressers dans ce jeu vidéo. J'aime beaucoup leur design.
chat sera un peu plus décoincé. Apparemment. De quoi? Le chat sera un peu plus décoincé. C'est-à-dire? Bah genre là, Nebus. Plus gentil. Ah ouais, parce qu'a priori au niveau des sanctions, on est trop méchant. Ouais, nous allons vous laisser un peu plus libre dans notre chat et plus compréhensif dans le contexte de vos phrases. Ceci à vous d'éviter le plus possible les vraies insultes, le non-respect et bien sûr l'aspect les plus au plus possible les règles du serveur. Bon après moi ça va, tu vois, j'étais. Je me sentais pas trop concerné, genre il disait ouais de faire des avertissements avant de mute direct. 30% de chance de. Et moi j'ai toujours fait des avertissements donc ça va. Ouais, c'est... Pixel X recrute, tiens, c'est marrant. Ça c'est. Bah là, t'as Rico qui a rejoint le helping et Furilax qui va passer animateur. Ok. Alors, y a-t-il un petit soporifique? Je l'ai pas capturé. Mais je crois que les dresseurs, je les ai pas tous faits dans le jeu. Parce que je me souviens que Let's Go, je l'avais rushé. De vote en attente. Je suis à 4,3 et du coup j'ai 94 récompenses en attente. On fait 30. Ouais, en vrai, je vais les prendre. Peut-être que j'aurai de la chance. Je vais regarder si chez Tiflor il est vraiment pas dans ma version, mais je pense que ouais. Je dois avoir Misterb et Let's Go. Evoli ont chez Tiflor. Ouais, Let's Go Evoli. Du coup, échange level. Ah, excellent, tiens. Gagne que tout le monde oublie. Il ne sert à rien. Il est inefficace. Caverne azurée. Fameuse caverne où je ne suis jamais allé. Pikachu pique une crise. Les enfants. Bon, elle est où la caverne? Elle est là? Non. Elle est où la caverne? Ça? Grotte Topica. C'est cool en tout cas. La caverne azurée, c'est à côté de. J'en ai aucune idée, moi j'ai pas joué à ce jeu. Non plus. J'ai pas joué quand j'étais petit, je peux pas savoir. Azuria, c'est vrai que c'est assez logique. Bah c'est ce que. Ouais. C'est plutôt logique, ouais, en effet. Après, il faut trouver Azuria. Trouver. Ça doit pas être si compliqué, c'est la troisième ville, Azuria, non? Peut-être. J'en ai aucune idée. Je me contente de viser dans le trou. Oh là là! Ce fun! Je me contente de viser dans la caverne. Quoi? Pardon. Nani? Nandedayo? Oh là! Kisama! Ça me fait bizarre quand je vais faire des vrais fights. Après, où est-ce qu'elle est la caverne? Chien là, c'est pour. Faut prendre de l'eau, je crois, hein, pour l'atteindre. C'est pas sous un pont. Okay, je suis bien. Je crois que c'est sous un pont. Faudra aller en haut alors.
Bah ouais, vu qu'il y a un pont. Il est vrai que j'avais commencé à faire les choux. Ah, j'ai commencé à regarder avec Fils. Ah, c'était quoi? Attends. The Promised Neverland. Ah. Et franchement, grave cool pour l'instant. Épisode 5 pour Bah l'instant. là, t'as la saison 2 qui va commencer. Peut-être. Mais ouais, grave cool, j'aime bien l'ambiance. Ah, c'est cool. Waouh, incroyable. J'ai gagné 35 OKBox. Et est-ce que j'ai gagné des PB boutique? Non, j'en ai pas gagné. Et est-ce que j'ai gagné le Pokémon? Eh bien non. Attends, mais ça veut dire que il y a plus de PB? Ou alors c'est t'as aussi des PB en plus que tu peux gagner? Ouais, non, Comment je ça crois pas marche? que tu puisses gagner des PB encore. Ouais, c'est maintenant ils ont juste Bon, changé. c'était méga rare. En vrai, vraiment, moi, sur tout ce que j'ai, j'en ai eu qu'une fois. Bah oui, j'en ai eu 3 fois, moi. Ça va, je me plains pas. Y a beaucoup d'aqua quoi, que là où je suis. Oh, un boss d'Artagnan. Que me donnes-tu? Toxicevite. Bah écoute. C'est beaucoup. Kit Master, merci. Et slash kit. Noël. Hop là. Ça fait quand même 7 Merde. masters que j'ai sur moi. Oh! Bah j'avais pas métamorphe. Let's go. Pas mal. Bah attends, mais comment je tire à gauche? Non mais attends, il est... Je Mais mec, je sais pas comment... Ah ça... Écoute mec, je savais pas comment je tire à gauche moi. Oh, bâtard. T'as pas le temps de te casser. galérer. C'est bon, j'ai compris comment on fait pour viser. Je vais pas le rater. Il veut pas rentrer. Est-ce que je l'ai pas métamorphe? J'en Ah, aurais je crois besoin. qu'il est quand même assez pas rare, Bah, en fait, je suis tombé dessus sans faire exprès, quoi. mais c'est Mais pas commun mec. un métamorphe, il me semble. Mais ouais, mais pour moi, il se trouvait pas là. Hein. Je crois qu'il se trouvait au manoir de la Reine Feu. Genre, t'as un Ah yes, manoir j'ai abandonné. ok.
Ah, ça me saoule, j'arrive pas à tirer à gauche. Comment ça, il va la FK? Ah, je crois qu'il va se casser. Ah, non. Au pire, quitte le combat et relance-le. Ça va être plus simple. Non, non, il despawn quand tu fais ça. C'est bon. Obsidienne? Comment j'ai... Pourquoi j'ai un double attaque du sud. Ouais, il était devant moi, j'ai vu que j'ai marché sur un truc violet, je tombe, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'était métamorphe. Encore un kit noir grim, mais what the fuck? C'est tellement longtemps que j'en avais pas eu. Là, deux fois d'affilée. Mais putain, mais trois fois d'affilée! De quoi? Un kit noir grim, trois fois d'affilée. Ah bah y'a encore un métamorphe. Ah bon, ok. Bah il doit pas être si rare. Hein. Bah ouais. En plus là j'ai une zone toute plate, genre elle sera très bien pour chasser. Après t'as Si des on peut en Nosferatu, chemin. c'est chiant. Merde. Ce qui Mais me fera d'abord chier Chani, il c'est... change quoi? Il est blanc? Je Il est crois bleu. c'est pas ça. Bleu? Ah oui, bleu ça. Oh mec, la dernière fois que j'ai pris les votes comme ça, je me suis fait complètement berner par le jeu. Je te promets. Je clique à un endroit. Je vois qu'il y a une master à côté. Ouais. Ah. Je me dis, vas-y, je vais tenter de recliquer au même endroit. Si ça se trouve, la master elle aura bougé. Et bah, elle était exactement au même endroit. Mais du coup, juste à côté de mon curseur. La troisième fois, je clique du Ah. coup là avant où il y avait les deux masters. Et ben, il était à l'endroit juste à côté là où j'avais cliqué avant. Tu vois le truc ou pas? Ça. Franchement, ça a pas fait du bien. Et... Merde, je me suis enculé un peu. Allez, excellent Beframbi, excellent et Beframbi, excellent Beframbi, bien sûr. Ah, ils vont être chiants au level, hein. Parce que là, ça va, je suis sur des petits levels, mais quand ils seront au level, les shiny que je chasse. Ah, Tentacool. Ponyta qui est très proche. Carbuff, il évolue combien? En vrai, je vais continuer à faire de l'XP aussi. Hein, Carabaf, 36. En vrai, why not, hein. Autant continuer. Oh putain, merde, j'ai raté mes votes. Faut que je les fasse. Ah, je prends 5 minutes de retard. Mais ça veut dire que je dois me coucher de plus en plus tard. Pour ce week-end. En vrai, ça va à Noël, je pense qu'à 1h20, je serai pas couché. Vas-y, je me mets là. C'est bien qu'ils aient mis des émeraudes aussi dans la clé vote. Ça permet de plus Ouais, ça avait rater été direct les attaques. un bon changement, ça, je suis d'accord.
monnaie d'ailleurs, moi. Ah ouais, Karabav, Buldo. Aussi tard. Hein. Un million 700 000. Ok. Oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une Master ou une Clicoins. Juste ici. Rien, c'est super bon. C'est super. Je t'ai voulu quand, Ponyta? Oh putain, il y avait deux Masters dans ce coffre. Ok. Putain, il fait tout le temps 3. Là, il se casse, non? Oh! Excellent! Ah ouais, là, il se casse. Ah, il va être chiant le Vénard, hein. À sauter partout, là. J'en perdrai des bols, hein. Mais il faut que je fasse la ligue. De toute façon, je pense que je l'aurais faite plusieurs fois. Faudrait que je trouve l'item de Miaouss là. Je pense que les Miaouss ils doivent en avoir sur. Pour dropper plus d'argent. C'est sûr en fait. Non. Il y avait deux clay coins et une master, mais vas-y, on chie un peu. Mais c'est sûr. Ah, mais Ponyta, t'évolues quand là? Je savais pas qu'il évolue si tard. Oh. Le pire feu. Non, non, 40. Non, mais je. Enfin, c'est ouf quoi. Parce que souvent tu l'as tard dans les jeux, mais. Bah non, en fait. Trois fois, putain, tu l'as pas si tard que ça normalement.
Bon bah, j'ai pas forcément eu de chance sur un. Oh putain mais. Oh la dernière j'étais à un bloc d'Elo Master quoi. Ouais non j'ai pas de chance. Pour ce tirage. Moi je le ferai là, on verra. Slash. Non, slash home. Oh. Oh, comment t'as dit ça? Je me demande, ça sera level combien là la ligue quand je la referai. Elle est environ 60, 70. Ça va être chaud de ouf. Hein. Ou peut-être moins, je sais pas. Ligue Pokémon, let's go. Deuxième fois. Tiens, on peut fight à Carmin-sur-Mer. Oléa, la meuf de Soleil et Lune de type fée. D'accord. Duval, si un grelot est dans un endroit claim, on peut quand même marcher. Oui. Oui. Na 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 la la, la la. Oh putain, faut que j'attende 6 minutes pour les prochains votes là. Allez, le Vénard ou Rhino Féroce. Tamashii en kilo. Eh mais. Oh, un Ronflex. Eh mais pourquoi C'est chiant. tu as commencé à chantonner l'opening que j'écoute en version guitare? Parce que tu m'as mis dans la tête tout à l'heure. Mais je l'écoute tout le temps là. Mais bien aussi. Attends, c'est le winning SAO. de ça, ouais. Le dernier. Qui est mon préféré d'ailleurs, je pense. Moi aussi. Avec Adamas, si je me souviens bien. Bah le premier de Alicization quoi. Sur les quatre. Ouais, bah de toute façon, franchement, les openings de SAO, franchement, Alicization, c'est le meilleur, je pense. Ouais. Non, non. Si, t'as le deuxième, je crois pas. Viens aussi. Justement, le deuxième, je crois, c'est l'un des moins ouf. Je sais plus du tout. Mais y en a un du début, du tout début. Qui est très fou Bah le aussi. premier sûrement. Putain mais de temps en temps la manette elle part tellement loin, c'est abusé. J'envoie une boule, je l'envoie devant moi, elle part totalement à droite. Bon, allez là j'enchaîne les excellents. Dites-moi. Mais Qui putain! Mais c'était sûr en fait! manquait un Pokémon à avoir vraiment. À voir! À avoir. Ah, je suis pas plein. Non, je veux dire, ceux qui peuvent spawn normal. Je sais pas. Il y avait Excellent que je suis allé le chercher pour ça. Mais vu qu'il est fait un Pokédex, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ah, il veut pas, hein, ça. Ah, si, je sais ce que je vais faire. Ah, il y a Green dans le jeu?
Une fille s'excuse, elle est nulle autre que Green. Elle se présente, vous lui montrez Mewtwo. Elle vous défie. C'est tout. Oh! Grain du... Oh! On peut refight les champions d'arène? Apparemment. Mais ça, je crois, j'ai vu une vidéo récemment. Et en fait, je crois qu'on peut le faire dans tous les jeux, ça. Mais j'ai Ah jamais. bon? J Ouais, faut... c'est un truc à tester parce que j'ai jamais vérifié. Bah ouais. Mais il n'y a pas ça dans épée bouclier, je crois. Ah ouais, on peut tous les refight, 56, 57. Blue, il a... Bah, Jadiel, vu que c'est lui le 8ème arène maintenant. Il a une team 66 et 68. Ah bah non, mais Blue, il a jamais été... C'est pas le maître de la ligue de ce jeu. À la ligue, ils sont 61. Et votre rival, 66. Ah, ça va en fait. C'est aussi élevé que Cynthia, la première fois que tu la fight dans Diamant et Perle. Son Kar Chakra qui est level 66, c'est énorme. Mais en vrai, m'étonne pas que j'ai galéré, hein, parce que. Même avec Dialga tout shiny là, c'est compliqué. Oh! Pour la ligue sabotage, il est accepté. Bien sûr. Mais je pense pour la ligue, je vais me faire une team full Dracolos, hein, si je peux. Mais je sens que j'en aurai pas mal. Écoute, moi je vais faire mon noisier. Donc, noisier, alors. HP, def et 8 en speed. Karabaf, il doit pas me manquer grand chose normalement. Et je pense que je vais refaire les mecs de la ligue. Hein. Ah, de la ligue des champions d'arène. Parce que j'imagine qu'on peut les refaire plus d'une fois. Tous les jours. Ouais, tous les Franc-poix jours. Ça puissant. c'est cool. Hein. Un truc à faire là. Franc-poix, c'est pas sûr. Oh. Je one shot avec un lancer excellent. Pas un ZXB. Karabaf que 35. Commence à en avoir beaucoup des chaînes pouvoir, des points pouvoir, etc. Ah bah ça. Putain. Ah putain les votes. Mmh. Attends, est-ce que je peux les faire? Ouais, c'est bon. Ok. Non mais c'est quoi un vélo genre... faut chier là. Y a des photos qui sont vraiment bâtards, parce que tu sais même pas c'est quoi en fait, tellement qu'elle est petite. J'espère pour Noël, le mec avec moi là, dans le top 2, il va oublier. Hein. Faut qu'il oublie un seul jour et je valide mon top 1. Ouais. Oh, un métamorphe. Tellement bien. Bon, en vrai, je vais sortir. Merde.
quand, grain dur? Tard, je crois bien. 40. Oh, ce snipe. Pile quand le cercle il devient petit. Oh là là. Eh, ça me rend fou, hein. C'est comme dans Pokémon Go, hein. À chaque fois on te laisse espérer. Je l'ai envoyé à peine trop tard. Ah, bah super, c'est cool de faire 3 excellents d'affilée et il rentre quand je le fais pas. En vrai, c'est bien parce que c'est des hauts levels là que j'ai rattrapé. Les rhinophéros, je vais pouvoir les utiliser. Hier, j'avais chopé un Dracolos pour casser ma chaîne de Roucoule parce que ça m'avait saoulé. Je peux être sur mon noisier. ok. Même ça qu'il m'en faut des choupeaux pour moi. J'en ai combien là-dedans? Je crois que j'en ai plus. Oh oui, j'en ai plus. Encore 2 stacks et demi. Non, j'en ai 3 stacks et demi. Ouais. Toi, viens là. J'ai besoin que de mettre level 100. Je vais te mettre un strat. Voilà, tu le sens. C'est parfait. Tu es stratégique maintenant. C'est faux, il n'a pas du tout les bonnes attaques. Ah bah ça va. Et il a pas encore les EV. Pikachu fait la tête. Alors écoute-moi bien, petit fils de pute. Il n'a pas le droit de ne pas être content. Comment ça c'est interdit? Oh putain, c'est vrai qu'à la base je voulais aller dans la grotte là, je sais pas où elle est. HP, HP, HP. Ah c'est peut-être ça. Il écume, bah même pas. Centrale, grotte sombre. C'est en SP. Les PV c'est chenille. Hey, chenipan, j'ai besoin de toi. Allez, je vais récupérer mes clés. Chenipan meurt pour moi. C'est parti, paf. La 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 la. Aurais-je un petit régie? Mais je crois faut pas faire récupérer les clés comme j'ai fait là. Si ça marche. Je crois pas. Si si, parce qu'en gros tu récupères pas de clés dans ton inventaire et t'as juste le truc qui se met. Bah du coup non. J'ai eu ça pour comment? Non, bah j'ai juste eu 2 stacks de clés. Ah, un kit noix grume. Commence bien. Attends, je vais chercher où elles sont les... Où elle est là, le mont lune. Que j'y aille. Mont lune. Let's go. Mont sélénite. Est-ce que c'est là? Ouais, ça doit être ça. Sur la route 4. Ah, c'est ça. Ah, bah ça met à gauche.
Ah, des clévotes. C'est ouf ça, les noix-grumes. De remettre une option, voulez-vous des noix-grumes? Des Poké-Dollars. Qu'au Poké-Dollars. Chier les noix-grumes. On a trop. On a trop. Oh putain, encore des clévotes. Pas avoir ça avec des clés payantes ou des coins. Bon, le mont Sélénite, où est-ce qu'on peut en avoir du coup d'après l'internet? Bah, d'après le jeu, c'est notre Pokémon de départ qui est censé nous dire où c'est. Enfin, s'il y a un item à ramasser. Ah oui. C'est lui qui nous dira. Oh, les Nosferapti. C'est donc eux qui feront chier pendant la chasse, qui se baladeront partout. Oui. Bah Pika, il remarque rien. Tu vas avoir un Peut-être parce problème. qu'il en a... peut-être parce qu'il est pas content. Pas quota. Pourquoi t'es pas quota? Fous là, toi? J'ai trop peur de louper un shiny qui spawn derrière moi. Le mec. Attends. Je tapais clairement Pierre Lune, où est-ce qu'on peut l'avoir? Parce que. C'est bizarre. Pierre Lune. En objet caché. C'est dans les cratères. Ouais, a priori. A priori, il faut juste chatter, quoi. Aller dans tous les cratères. Après, je peux en avoir qu'une aujourd'hui. Okay. Maintenant, passons à ça. Oh, Paras. Ah, mais l'eau fait. Je spawn là où tu vas. Pour l'instant, pas très nice le jeu. Tu n'y arrives pas. Ouais, mais je sens que je vais regarder dans tous les cratères et que ça va être le. Ça va être genre tout simplement au début en fait. Ou le dernier. Ouais, bah. Non, si c'est vraiment comme l'internet nous le dit. Qu'est-ce que vous foutez là? Oh, un Onyx. C'est un gros Pokémon. Ah, 63 PC, c'est cool. Comparé à Pokémon Go, c'est que dalle. Hein. Oh, une Master Ball. Sur l'endroit habituel.
Et là, on va mettre un tout petit peu de speed. Ce speed, c'est bien. Oh, ils ont remplacé la lave dans le Warp Hill. Y'a plus de lave. Ah ouais? Non, maintenant c'est des tapis. Ah, oh, c'est bien ça. C'était chiant. Ouais. C'était trop chiant la lave. Oh, c'est tellement bien. Pikachu, réagis! Ah! Oh! C'est pas ça. J'ai enfin eu un item, mais c'était pas ça. Le... Ah! Bah non. Ah! Oh. Why? Oh putain, il y en a. Oh, mais genre, j'ai pas fait tous les combats. Il faut traverser la grande pour aller à Jurien. Ah, merci Timothée. Tu parles au maître de la ligue. Ah non, Robin, excuse-moi. Avec son t-shirt Aspico. Waouh, un ferro-singe. Allez, noix de coco. Ouais, allez. On va découvrir. Yes. Attends, je vais découvrir le gameplay. Rafalpi. Ça fait deux... Oh putain, une caisse près. Ça fait 2 ans que j'ai joué à ce jeu quand même. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de combat. Que votre chef, enfin que votre cher maître est absent. Je ne fais pas bien ton boulot. Oh. On peut pas être modo et chef de ligue en même temps, c'est pas possible. Bah, si. Vraiment si. C'est vrai. Ah, des keybox, cool, encore. Encore. Mais je suis perdu en fait. On a 5 métallozélites. Ah ouais. On a 7 cryozélites. Ah ouais. On a 3 lunazélites. Ça se vend. Ça peut se vendre bien. Des... Ah mais je sais pas où est-ce que je serais pas allé. Que je suis déjà allé là, je crois pas. Ah si, il y a des chances. Ah non. Oh putain. Ah la Team Rocket, c'est nous. Ah c'est cool. C'est que ton organisation elle a été démantelée. Oh le logo pixelisé. Qu'on dirait à qui. Ah vraiment, la Team Rocket, ils en avaient rien à foutre. Hein. Tout pixelisé. Oh tata! Que vais-je faire contre ce monstre? Avec les combats, ils sont ridicules. Hein. Sans musique là, vu que je l'ai retiré. Ah, mais j'ai pas le kit Noël moi. Oh. Pense à utiliser le kit Noël. Je l'ai utilisé. Un kit très utile. J'ai eu des clés bottes. Ah, c'est cool, moi aussi. Ah, une clé coins. C'est différent. Oui. Noisier, qu'est-ce que tu peux apprendre de bien? Eh bah, t'apprends rien de bien. Pas du tout ça qui. Oh! C'est bon, j'ai enfin ma pierre lune. La pierre lune du jour. 20 graines, bon, sabotage, bon. Big Splash et Pico. Big Splash, c'est trop fort. Faut nerfer cette carte. Cette attaque. C'est une attaque physique qui utilise ta défense au lieu de l'attaque. C'est vrai? Ouais. Ouais. Et c'est pour ça que Gale King est le meilleur utilisateur de cette attaque vu qu'il a une défense de malade. Est-ce que je peux l'avoir? Bah, ça fait vraiment un big splash. Hein. Pico, déjà, il me faut ça.
Ah non, attends. Quoi? Il ne peut pas apprendre Picot, Noisier? Quoi? C'est bizarre. Si. Ben, impossible à apprendre. C'est impossible. Mais quoi? Je n'y crois pas. Et c'est pas logique. Ah oui. Il me faut sabotage aussi. Je peux même pas prendre RDR. Mais quoi? C'est de la grosse merde. Sabotage, on peut apprendre, voilà, ça. Ça tu apprends, hein, direct. Est-ce que Big Splash? Alors, méga sensu, non. Il me faut des... Jage, clonage, queue, piqué. Les canons, recyclage. Hop, Nidoking. Gros gros. Je suis méchant. Putain de la Pico, pourquoi il peut pas? Attends, y a un gars qui est bon en ce truc là. Pico. Sandry, je connais pas, on va les connaître. Alors, tac. Faut que j'aille chercher une pièce rune maintenant, moi. Pour de l'argent. Bah, il s'est acheté. Oui. C'est bon. Non, ah non, 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 c'est pas bon. Je trouve. Attends, la pièce rune, elle est pas là? Ah, c'est pas cool ça. Ah, j'aime l'humour, mais non. Ah ouais, ah ouais, mais non, mais s'il y a pas de pièce rune, comment je fais pour gagner de l'argent? Ah, des noix crumes. Les noix crumes sont la réponse à tout. Donc, comment gagner de l'argent rapidement? J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite astuce sur Pokémon Let's Go, Evoli et Let's Go Pikachu pour gagner un maximum de flouze, de pognon, de pèse. Comme vous le savez, ce jeu revient très très cher si vous comptez faire de la chasse aux Shiny. Et entre les Pokéball et les passants, c'est chaud. La petite astuce que je vais vous dévoiler permet d'être simple. On y va avec le vol, tu connais, adorez ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et coco au début de la grotte. Dans cette grande place où l'on trouve des levénards qui d'ailleurs sont très jolis, ça fait super plaisir. Vous allez bébé. Igglybuff. Ah, c'est le bébé de Rondoudou, ça. C'est tout doudou. Ouais, bah il est en vente à 5000. Oh, on l'a déjà. Voir des okay. Petits points lumineux au sol. Et il y a des je quand même il le peut prendre, même y avoir une Master 5000, Ball. Et je peux le revendre plus cher. C'est un bébé. Je viens de voir que ce jeu c'est de la merde. Tu peux avoir des Master Ball à l'infini dans le jeu. Faut juste chatter. Et ça par contre c'est très très rare. Le but va être de quitter la grotte et de re-rentrer dedans.
après avoir tout récupéré, et l'avantage c'est que vous allez pouvoir farmer ça toute la journée, sachant alors, que Marais, toutes les baies dorées valent 2500 Pokédollars. Toutes les baies dorées pour vous faire un maximum de fric. Une fois ton que vous petit avez farmé ça une centaine de fois, laissez-moi vous dire, vous allez faire un maximum de pognon, vous avez cher, sachant que CDA, vous avez terminé. Enfin, mais tu mets pas 360 000 quand il n'a pas 100 talents cachés. Fini les coups, comment ça les farmer? Regardez, 2500. Ça monte de malade. Donc si vous aimez ces astuces, Pokémon n'hésitez pas. Ok, bah a priori, l'argent... bah faut aller là où... La zone de Mewtwo. Et t'as un endroit où... Enfin l'étage où j'étais tout à l'heure pour farmer les Levenard. T'as des items par terre et tu peux avoir des Master Balls. Oh putain mec, si j'avais su, j'aurais pas fait les oiseaux légendaires. Ce serait bien si tu pouvais relâcher un légendaire et le refaire. ouais. Eh, pourquoi pas? Je suis vieux hier, monsieur. Mais j'ai pas envie de les faire ça. ton Pokédex. C'est une façon de se faire de l'argent, on va faire ça, hein. Krabby et Hypno. Rico il a mis un rare candy. Je suis pas choupe sa fraise, il est pris 600 000. Est-ce qu'on peut vendre? Non. Bon, j'ai le seum que les picots ils passent pas du coup. Ça m'étonne ça. Mais ouais, c'est bizarre. Parce que, genre, sur les fiches stratégiques et tout, il est là. Mais pas sur Pixel. Pixel. Pire en tant qu'un, je mets des pièges de rock. Hein. Non, c'est pas ouf. Quoi. C'est pas stabé, lol. Wow, 4 masters dans ma box. Et du coup, je vais retourner à l'endroit où j'étais tout à l'heure. Hein. C'est l'endroit où on se fait de la thune. Eh, Pika! Pika n'a plus peur. Quoi? J'ai pas eu le temps de lire. Ah. Par contre, oh, j'ai fait une connerie. Non. Non, t'es pas assez. Attends, les gens, pourquoi ils mettent. The fuck? Les gens, ils mettent énormément de V en speed. Sur le noisier. Quoi? Alors qu'il a une speed de 20. Bizarre. Pour dépasser les autres noisiers peut-être. Je sais pas. Ouais, j'aurais tendance à le mettre autre part. Bah ouais. Si une attaque de contact sur une cible possédant une épine de fer, il peut avoir un 8ème PV maximum. J'ai comporté. Putain, ça c'est tellement. Attends, il y a bien une épine de fer, mon truc. Ok, c'est bon. Tu l'as acheté? Non. Non, on me l'a fait gratuit. Il est 100%? Ouais. C'est ce qu'on te l'aurait donné, tu sais, parce qu'il est nul en fait. Il n'a pas le bon talent. Non, 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 mais non, c'est le gars, tu sais, à qui j'ai fait la maison. Et du coup, il s'est fait ban. Donc, du coup, bah. Qui ça Je sais plus, littéralement le dieu qui venait d'Omega. Kamikaze Non, non, non. Non, un autre. Et genre, je lui ai fait une maison, il m'a dit, vas-y, je te fais des Pokémon Strat en échange. Je lui ai dit, ok.
Rip. Du coup, bah, il m'en a fait un. Moi, j'ai terminé la maison, sauf qu'il s'est fait ban. Donc, du coup, j'ai récupéré la maison et j'ai récupéré un Pokémon Strat. Tiens, voleur. Pokémon possède anticipation et prévenu si l'adversaire possède une capacité super efficace contre lui. La talent s'active à chaque fois que le Pokémon entre sur le terrain. Bah, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf comme talent caché. On ramasse des balles, c'est bien ça. Une Befframbi dorée. Ah bah ça va. Pas très utile. Je vais avoir des Master Balls. En vrai, je vais utiliser des Master Balls pour mes chasses. Comme ça, je suis sûr. Ah bah là, mon gars. Bah les plus rares là. Les casse-couilles, mec. Les haut level, bananes dorées. Ah voilà, le mec il disait faut vendre des bananes dorées parce que ça ne sert à rien. Comme dans Pokémon Go. Les bananes là, rien à foutre. Une banane, je vois pas trop en quoi ça peut être utile. Parce que les bonbons, tu t'en fous d'en avoir deux fois plus. Befframbi doré, c'est trop fort. Hein. Et cette zone, genre, suffit juste de la quitter, de revenir, et les machins, ils se resettent. C'est ça, il faut... Quoi? Attends. Quoi? Carabasse évolue. Ah cool, des noix grumes. Tortank. New Indie Pokédex.
Attends, mais ça a pas respawn les machins là. M'a dit de la merde. Bah merde. Bah si. J'ai juste dû pas avoir de chance. À moins qu'il y en ait très peu où ça respawn pas partout. Est-ce que mes non j'ai bah, j'ai une question mais pour moi-même en fait. Très bien. Non, parce que en fait je sais plus si j'ai des Pokémon qui sont déjà strat ou pas. Non, j'ai Prehistoric, Togekiss, du coup Noasiem maintenant qui est strat. Il me fallait aussi du coup un Lansorien. Est-ce que lui il est strat? Je sais pas. EVS5. Non. Slash. Non, il n'est pas strat. Oh merde! Pff, je viens d'annuler une évolution. En spam en bay, je me suis fait payser. Du coup, j'ai sabotage, vampigraine, méga fouet. Que je me mette autre chose aussi. Abri! Non, je pense que je vais lui mettre un petit gyroball. Bah faut pas que tu le mettes plus vitesse alors. Enfin full vitesse. Non, j'ai rien mis dans la vitesse. Sa puissance augmente en fonction de la vitesse du lanceur par rapport à celle de la cible. Plus le lanceur est lent par rapport à la cible, plus le gyroball est puissant. Pour atteindre 150 de puissance. Pour ça faut être moins vitesse. Avec lui même. Ouais. Bah de toute façon mon aussi il a des... C'est... Il est full IV sauf sa speed. Et il est moins attack SP plus def SP. Ah ouais. Moins attack SP. Du coup méga fouet en fait c'est physique donc c'est bon. Sabotage c'est physique donc c'est bon. En vrai, je vais revenir sur cette scène là. Ouais, mais non, en vrai, faut que je joue piège de rock. Faut que je joue Pikachu. Je croyais que tu allais dire ça. Faut que je joue Pikachu belle lumière, putain. C'est tellement meilleur, c'est. Carry de ouf. Hein. En vrai, dans Let's Go, hein, Pikachu belle lumière, mec, il doit faire mal. Hein. J'avoue que sur. Avec son talent, avec son attaque électrique signature aussi forte que vitesse extrême, stabber move de priorité, c'est. Non, ouais, je vais mettre piège de rock aussi. Okay. Est-ce que je peux prendre piège de rock? Let's go, hein, Pikachu. Trop drôle. Quel jeu de mots. Explosion. Elle me saoule ses noix grume. Mon chier putain. Retirez les noix grume s'il vous plaît. C'est ouais, simple à trouver dans la nature. Gyroball. Piège de. Je sais pas. Non, il me faut un poseur de piège. Ça va être lui. Pico ça. C'est pas normal. Et
Non mais c'est cool de tirer derrière moi et... Pute les couilles. Putain. Oh, ça me saoule quand je tire derrière moi et ça part au même endroit. Ah oh, mais là, hein, le Vénard, vous voulez pas. Hein. Je t'ai puni. Voilà, là ça va. Attends, parce qu'en fait, j'ai peur de d'acheter piège de roc et de voir en fait que ça ne marche pas. Ça me paraît bien. Est-ce qu'on a encore assez de choses pour acheter un Constir bien large. Oh. Il va être chiant le Vénor à chasser. Ah mais là il n'y a plus rien genre. Ah si putain mais en fait faut vraiment faire des tours. Et t'as peu de chance qu'il y en ait un qui se soit remis. J'ai pas eu beaucoup de chance. Voilà. Ok. C'est bon, mon acier est full strat. Avec vampire graine, pioche de roc, méga fouet, sabotage. Il est du coup full. Full HP cancer. Défense. C'est ça. full HP et full défense en EV. Et il a les restes. C'est plutôt. Plutôt bien. Hein. Vraiment, j'ai vraiment la pire team au monde. Avec très d'astéré, noacier. Noacier. Putain. Tu manques plus qu'un. Un Pokémon, j'allais dire qu'à. Mais non. Il y a déjà ton prédestéré carré G Force. Là, il manque plus qu'un bon boule de nœud. En vrai, G Force. Tu peux faire une team RG Force. Ouais. Un petit Shaofuin. Non, attends, c'est quel Pokémon qui est chiant? Ah oui, il me faudra un Cyderelle là. Non, tu et peux là, pas. C'est must. Putain. You can't. He's ban. Son talent, il est ban. Ouais. Parce que, comme Barzagali. Comme à la Ligue PTDR. La Ligue, la Tower. Yes. Bon, j'ai bientôt fini mes clés, plus que 16. Ça fait pas très longtemps que j'y suis. Ça fait beaucoup là. Je suis pas grand chose sur Let's Go là, hein. Je tourne en rond pour avoir mes trucs. En fait, ça respawn peu. Genre, je pense par trou, tu dois avoir une chance sur 10 que ça respawn. Non. Dégage. Il faut que ça. Encore. Encore. Une master. C'est cool. On va ça. Hein. Tu les vends. Ouais, au pire. Attends, quoi? Ah! Petite clé coins. Ça, j'aime. Deuxième. J'ai eu deux masters et deux clé coins sur deux stacks. Ah, mais Rico, il parle depuis Discord. Je croyais que c'était dans le chat staff.
Salut. Ça m'a fait combien de laine tout ça? Ça m'en fait 8. Petit pré-shot. Ah, des noix graves. TP. Ah, nique sa mère. Il me faut. Lui je le termine comme ça. Ok. Et il me manque du coup très peu. 1, 2, 3, 4. Eh, ça me pète les couilles. Je tire sur le. Je tire totalement à ma gauche. Ça continue à l'envoyer tout droit. Vraiment trop ouais, chiant le Pokémon qui se déplace là autour de toi. Ouais. Ça y est, fort. Ah ouais. Ça va être chiant. Merde. Tu n'as plus de clé, enfin. Vas-y, j'ouvre mes clé coins pour terminer. Allez. Ah, c'est cool. Un flat bébé aléatoire. Je suis content. Yes. C'est. Moi j'aime. Ah, des bonbons. C'est cool. Oh, un Levenard. Bah c'est cool. Écoute. J'ai bien aimé cette chasse. Te plains pas, t'as eu des Pokémon. J'ai eu un flab bébé quoi en random. Hein. Là. Oh, c'est bien. Bon, la pire personne. Bon, oh, c'est pas si mal. Oh, c'est pas si mal. Il était bien le l'épisode du JDG des 11 ans. C'était bien. J'ai pas regardé la deuxième partie. Mais mec, j'envoie à droite et pars à gauche la boule. C'est quoi ça? Bon, je vais retourner là où j'étais moi, pour type 0. J'espère que là ça va suffire. Ça suffit. Ça suffit.
trop mal. Un bon champ, j'aime bien. Il faut que je m'améliore encore, que je l'agrandisse. Faire le petit chemin là. Je vais faire des barrières. Bientôt le coin ferme sera fini. Faut aussi T'as fini le village d'Az? Ce que tu fais là? Non. Non. Mais là j'attends d'être chez ma mère pour terminer. Mais là, ouais, là je suis en train de faire les champs. Moi je dis dès qu'on est rentré tour, on s'occupe de notre randomizer. Oui. Parce que là je pars demain. Ou après-demain. Je sais pas si je pars dans la journée ou là. Bah demain du coup, demain je suis chez ma mère. Et ouais, bah. Jeudi soir je suis chez mon père. Et vendredi je suis chez ma mère. Mais il est bien Rhino Féroce lui, il bouge pas au moins. Il saute et c'est tout. Voilà, ça on veut. Hop, vous avez attrapé. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Beaucoup d'émotions quoi. Je suis super content. Qu'est-ce que ça? Ok. Oh. Que fais-tu aussi haut dans le ciel toi? Un truc marrant. Pitou il est venu sur mon stream hier. Et il a fait spawn un type 0 devant moi. Sauf qu'il était en vanish. Donc j'ai juste vu type 0 se déplacer. Et j'ai pu lancer le fight. Mais j'ai pas eu le réflexe de lancer direct ma master parce que j'étais dans tous mes états. Mais je me suis dit, mais what the fuck? Mais type 0. Type 0, c'est comme un légendaire. Normalement, t'as de l'annonce dans le chat. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être comme Melton. Et quand j'ai vu que le combat il a été quitté automatiquement, je me suis dit bon bah c'est cool. C'est cool, il y a un mec en vanish qui me troll. Et oui. Et Pitou il m'a dit si tu l'aurais attrapé, tu l'aurais pas gardé, je t'aurais retiré de ton PC. Mais au moins je l'aurais eu Pokédex. C'est la seule chose que je souhaite. Je m'en bats les couilles en fait, juste le Pokédex. Ah, ils font chier hein. Les Levenards, mec, ils veulent pas. Hein. J'ai 14 nanabes dorées. Pas mal. Merde. Quelle heure est-il? 2h30. Ah, 19h. Ouais. Okay. Ouais, je pense que je mange dans 2h, donc j'ai le temps. Okay. Tranquille, ça va. Ouais. Ah, tu es rentré, mon petit Levenard. C'est vraiment l'euphorie, tout ça. 4000 XP. C'est stonk de ouf. C'est... Wow. Ça doit être un Levenard avec une taille normale. Une taille spéciale. Alors bizarre, il prend 2 levels. Incroyable. Nanana. Ah, il évolue. Il évolue si tôt. Bizarre, ouais. Ouais. C'est pas celui qui veut plus tôt, mais c'est... Je crois que c'est Torterra, hein, le plus tôt. Mais plutôt c'est 32. Ah non, parce que là il a pris 2 levels, donc je peux pas savoir si c'est 32 ou 3. Mais je sais que Torterra c'est 32. Danse là. Vas-y, let's go. Si tu veux. À la place de Fouillian. Attaque très puissante. Ouais, c'était un S. Vraiment, la partie village est terminée. En fait. Juste du coup, juste là. Ce qui est autour. En fait. Enfin. Ah, j'ai oublié,
J'ai la partie bûcheron à faire aussi. C'est vrai. Ça, je peux m'en occuper. Mais pas maintenant, parce que j'ai absolument la flemme. Je vais faire ça avant. Bon, c'est pas grave, je vais faire ça chez moi aussi. Mais j'ai une petite idée de. Parce que de toute façon, en fait là, j'ai village. Et je vais avoir le chemin du coup qui va aller du village à l'arène, tu vois. Ouais. Et sur ce chemin, bah j'ai pas envie que ce soit juste un chemin de merde, genre il y aura des choses sur ce chemin. Donc c'est pour ça que là j'ai fait la partie. Putain, on peut trouver des fossiles. Je trouve un nautile. Et là dans le bois là, juste là il t'aura la partie bûcheron. Et ensuite t'auras la reine qui sera là. Ça sera beau tout ça. Ouais. La reine, je sais plus comment que je vais faire aussi. Ça c'est le seul truc dont j'ai aucune idée de ce que je vais faire. T'as pas d'idée de truc spécial? Tu fais ce que tu veux. Il veut le même style que ce que j'ai déjà fait. Mais j'ai quelque chose de différent quand même. Je parie, mais non. S'il te plaît. Non, mais. Genre, ce sera une arène, mais tu sais, où ce sera pas juste un logo Pokéball avec des gradins et tout. Ce sera une arène avec des choses. Genre, ce sera. Un sol spécial, quoi. Je sais pas si tu vois, genre, l'arène de Roxanne dans l'animé. Non. L'arène Roche. Ah, si, ouais. Où... Si, ouais. T'sais, que bah. Ouais, bah je l'ai vu avec Rugby Omega, j'ai pu la revoir. Ouais, donc du coup, bah en gros, ce sera. Voilà, ce sera comme ça, quoi. Il y aura des choses sur le run. Okay. Moi, je pense qu'il faudrait que je me refasse. Ça pourrait être sympa que je refasse une petite arène. Mais là, que t'en parles, j'ai envie de faire une arène. Mais écoute, pas n'importe quelle arène. Ça sera une arène avec l'intérieur spécial Cynthia de Platine, évidemment. Oui. Avec des cubes. Je vais le noter dans ma. Je vais le noter dans le pont des idées. Dans le pont des trucs à faire. Mec. Ma statue, je sais pas comment la faire. Bah en vrai, ouais, c'est bien. Hein. Ouais, mais je veux dire, autour, comment que je referme ça, comment que je refais. J'en ai aucune idée. Tu peux essayer de tailler la montagne pour rendre ça naturel. Ouais, bah je crois que c'est ce que je vais faire, mais ouais, voilà quoi. Je sais pas du tout si ça va bien, si ça va bien le faire. Je sais pas du tout si ça va bien le faire, je sais pas du tout si je vais réussir à le faire. Ah mais le système pour lancer les Pokéballs, il est tellement cassé hein. Mec, putain, peu importe l'orientation, il va au centre. Ça me fait chier. Donc là, la logique. Moi. Oh putain, mais mec, il va au milieu et là, je tire enfin du bon sens. Oh, il me saoule. Non, mais faut se rendre compte, je le fais à droite, il va à gauche, je le fais au centre, il va à droite. Ah, enfin! Mais il va se barrer, c'est sûr. Qu'est-ce qu'une team stall? Une team stall, c'est une team comme la tienne. Yes. Stall de PP, genre il.
il me semble. Hein. Enfin, une équipe chiante, quoi, fight. Où les pépés peuvent te faire perdre le match. Moi, bon, il me saoule ce Levenard. Hein. Ils sont trop casse-couilles, les Levenard, vraiment. Parce que les interactions supplémentaires pour la ligue, c'est une team stall. De quoi? Genre, une team stall, en gros, si un conseil peut demander une pause en plein match. Et en fonction du screen pris par une personne neutre, les membres de la ligue donneront un jugement objectif s'il s'agit d'une team stall ou non. Voilà. Ouais, non, je sais pas. Ah, ça me fait chier, je vais aller faire des combats un peu là. Voici la liste de tous les hubbers du serveur. Comme Krelov, Darkrai, Deoxysian, KGNC. Groudon, OO, Kyurem, Kyurem, Kyok, Andorus, Nalam, Kyamar, Shadow, Kyam, après Asterix, Shemakota. Ok. Après Asterix, bien hubber. Ouais, sur le serveur, il est Uber. Vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'un exemplaire du même Pokémon dans votre équipe. Dans ton équipe full Dracolos, c'est pas possible. Non, mais je m'en fous, c'est sur Let's Go que je disais ça. Ah oui. Jamais je me fais une team full Dracolos. C'est quoi ça? Un Uber oui. Maximum par team ou deux Uber si l'équipe ne porte aucun légendaire. Vas-y, je vais aller sur un Gravalanche, ils m'ont saoulé. Allez, au moins il bouge pas, il est pas chiant. Ok. Ah ouais, tu sors instant. En gros, il me faut un leg qui n'est pas Uber et une Ultra Chimère en plus. Et j'ai ma... Shaymin Pascal. Ouais, mais non, parce que j'ai déjà Pokémon... Oui, c'est vrai. Attends, en pensant, j'ai Predastery, j'ai Togekiss, j'ai Noacie... Ou qui arrive. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai... Mais en vrai, t'as le droit à un deuxième Uber, hein, sinon. J'ai Pyrax. T'as le droit à un deuxième Uber, hein, s'il est pas légendaire. Ouais, je sais, mais... Je préfère avoir un leg non Uber qu'un deuxième Uber qui n'est pas leg. Après, faut le trouver, quoi. Après, ouais, un petit... Ah, mais non. Attends, Mega Lucario, il est bon ou pas? Ouais, il est Uber, tu peux le prendre. Non, mais il est bon ou pas? Non, il est pas bon. Non. Non, ok, mais il est Uber. Mais il est Uber. Parce que du coup, ça me ferait mon. Ma méga et aussi, du coup, mon deuxième Uber. Ouais. Après, j'ai. Attends. Mega Lucario, c'est quoi déjà son truc genre. Ses attaques ou son type? Non, ce qui fait qu'il est ultra fort. Son talent qui fait que les attaques super efficaces sont... que les stabs sont x2 au lieu de 1,5. Okay. Du coup, en gros, le pisto point... Adaptation. Au lieu de faire 60 avec le stab, il fait 80, quoi. Vitesse extrême, en gros. Sauf que c'est plus intéressant parce que tu peux choper des faiblesses en, là où le type normal est neutre partout. Enfin, mais neutre.
Bref. Il a combien? Il a 140 d'attaque, 145 de... Non, 145 d'attaque, 140 d'attaque SP, 100 tous de vitesse. Il tape, mais en plus il a des bonnes stats de vitesse et... Du coup tu mets plus speed... Hein. Plus speed, plus attaque. Plus attaque. Après je peux te dire... Ah non, hey, tout à l'heure je disais absolument de la merde. Les gens ils mettaient pas nos assis speed, ils mettaient attaque SP. Mais en fait c'était SPD. Et SPD, je pense que c'était speed. Je que de... Donc Lucario, piste au point, close combat, dans slam, point météor. Yes. Mais dans slam, je sais pas si c'est si utile parce que il tank mal. Attends, est-ce qu'il y a d'autres sets? Non, il y a qu'un seul. Qu'il soit jovial, cœur noble. Ouais, cœur noble, c'est bien. Cœur noble, c'est bien parce que tu peux switch sur une attaque ténèbre vu que c'est divisé par. Par 2 ou 4, je sais plus. Par 2. Ouais, non, je pense pour augmenter d'un cran ton attaque. Ouais, non, mais dans slam, tu perds un tour en fait. Ça, je trouve ça pas ouf. Je sais pas. Ouais, mais bon, tu mets dans slam et ensuite tu mets un petit piste au point et puis c'est bon quoi. Juste ouais, c'est x2. Ouais, bah après tu 40, kills, t'as 80, un mec un pistopoint de 80, c'est pas mal. Y a-t-il peut-être le Pokémon non légendaire de cette zone que j'attends? Une attaque fouette. Une attaque que priorité de 80, c'est pas... Ça fait mal. Ouais, et point météore aussi. Point météore est 90. Mec, son point météore, il fait 180. Un petit coup victoire. Qu'est-ce que c'est, finalement. Et en plus, il y a 20% d'augmenter l'attaque. Mmh. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est pour ça, autant spammer des points météores, tu vois, vu qu'il est rapide. Son point météore, il fait 180, il a 140 d'attaque. Dis-toi que le close combat ça tape un peu plus. Et il a 20% de chance d'augmenter son attaque. Close combat, hein. Il a le PK, tu es pas sur Omega, hein, parce que je suis joueur alpha. Il y a déjà du monde sur Omega. Omega, il y avait 20 personnes quand je me suis quoi. Et là. Ça Pikachu. Oh putain, ouais, 120. Oh. Ils sont 10. 120, putain, ça. T'es à 240. C'est quoi ça? 240 de puissance sur une attaque à 100, avec 140 d'attaque. Je vais me faire les badges. Je vais me refaire les dresseurs, les champions, pardon. Garantie. Genre, juste du coup, Darkrai Strat, il est plus over. Qui ça? Darkrai. Je crois pas, mais va en choper un quoi. Ouais, non, mais je regarde juste. Il a 135 d'attaque SP max, c'est pas... C'est vraiment pas ouf. Oh. C'est pas ouf, c'est... Genre... Darkrai... Lucario est mieux. Oui. Donc bah écoute, ce sera un Lucario... Omega Lucario. Je vais me prendre. Alors qui je peux faire pour mon équipe? Ouais, bah il va falloir... Jadrakolos... Un bouquin avec Strat, hein, c'est parti. Allez, un petit Ronflex. Lucario Strat. Putain. Loclas. Déjà que Lucario n'a pas beaucoup, alors en plus. 100% et son talent caché. C'est chaud. Le multi-exp il est tout le temps activé, je crois, dans le jeu. Parce qu'en vrai, je peux faire XP des Poké. Ouais. Hein, ouais.
Et du coup, pour les deux autres. Bah, déjà, je vais avoir une ultra chimère. Je vais recablifier, je pense. Une petite ultra, ça peut être intéressant. Ouais, mais elles sont souvent bannies, je crois, les ultras. Non, câblifier, elle y est pas. Est-ce que ce Mogo est dispo dans mon jeu? Et puis c'est bon, et puis ensuite j'ai Pyrax, donc c'est bon, ça le fait. Smogo, let's go Evoli. Après que j'ai pas. Y'a sac de nœuds. Après, je peux avoir un petit méga Mizzibu aussi. Oh, il est Uber lui. Ah bah oui, bah c'est bon. Après, t'as Togek, t'as déjà Noacier et Togekiss. Après, ouais, t'as Noacier anti-passé déjà. Pour Lucario. Ouais, mais bien ce point. Je préfère avoir deux types acier que deux types plantes ou deux types. Ce que tu veux. Genre, acier, magique. Ça serait pas dérangeant. Ouais. Et puis, de toute façon, Noacier, c'est mon. C'est mon. Oh. Oh oh oh. C'est bien. J'ai leak avec lui tout le temps. En fait. Ah, c'est vrai qu'il y a eux. J'ai leak avec lui. Magikarp. Ouais. Vas-y, je vais tenter Pierre, le champion de type Pierre. Faut que je mette Locklass en First. Je vais voir selon ses attaques si je l'avais joué en fait. Ouais, surf, tonnerre, laser, psycho, laser glace, ouais, c'est sûr lui je l'avais joué dans ma team. Voilà. Ronflex, tonnerre, l'échoui, caisse brique, psycho. Lui aussi j'ai dû le jouer dans mon équipe. Ronflex, psycho. Ouais, il peut apprendre Blizzard et compagnie. Un Dracolos, bah lui c'est celui que je viens de capturer. Bélier, Megacorn, Éboulement, Séisme. Pareil, ce Rhino Féroce, c'est celui que j'avais dû avoir. Parce que je me souviens absolument pas de quel Pokémon j'avais joué en fait dans ce jeu. Quand j'ai regardé, je me suis dit ouais je devais avoir un Locklass. Qu'un Megatron. Locklass, ouais, j'ai dû le jouer. Je vais me faire un peu d'argent pour voir. Oh. Ça, tu forces, c'est super bon. Ceinture force, ça sert à quoi déjà? Ça tient un PV. Yes, yes. Ah, j'ai une capsule d'argent. Le fameux item pour les IV. Sur Let's Go. Trop bien. C'est pas ouf. Sukota. Ah, qui vend Shulker. Pour toi. Ça. Et non. Je n'ai plus de chacun. J'ai 1000 bonbons force S. Je sais même pas ce que c'est. Il augmente l'attaque d'un Pokémon de niveau 30. Ah, ça augmente les EV. C'est trop bien. Bonbon Rhinocorn, il augmente toutes les stats. Mais c'est trop bien. Hop, Benanab, on vend tout. Bananab doré, stonk, 40 000. Les bananas, ça fait quoi? Une baie pour avoir beaucoup plus de chance d'obtenir un objet. Hop, au revoir. Rien à foutre. Ouais, à la limite, je vais en garder un tout petit peu, mais...
pense pas que j'en aurais besoin. Bah ça va, c'est stonks tout ça. Me faire 130 000. On va voir si je suis prêt pour un combat d'arène. Bon, là, classe, il a intérêt à me carry. Hein. J'ai dû pas mal le jouer à la ligue, je pense. Donc là, s'il est bon. Ouais, ouais, il est bien. Merde. C'est bizarre, cette arène. Ah, mais non, mais Jadiel, c'est l'arène de Blue. Je croyais que c'était celle de Pierre. Ah, mais ces Poké, ils sont level. Ah, vas-y, je vais tenter l'arène. Ils sont level 66, j'ai envie d'essayer. Ils sont combien, tiens? 56. Ils auront 10 niveaux de plus que. Ouais, franchement, ça va, comparé à des défis que des gens ont fait, c'est pas grand chose. Zabardek, Zabardek! Non, je vais mettre une musique un peu plus épique. Na 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 na. Tauros! En plus, je connais pas son équipe. Je l'ai retrouvé, je l'avais tout à l'heure. En vrai, mec, tu vas te coucher. Oui. Ah, je le savais. Ah. Tac. Eh bien, c'était une. Bonne soirée. Bonne session. Et puis, nous allons nous retrouver dans peu de temps pour faire notre petit random. Donc, normalement, si tout va bien. Hop. Voilà. Ah, Blue, il a pas un méga Tortank. Mais c'est Red qui a un Dracaufeu normalement. Qui a un Dracaufeu X. Alors, Blue, il est censé avoir un Tortank. Non, c'est l'inverse. Red, il a un Tortank qui est Blue, il a un Dracaufeu. Bah non. Dans. Bah non, mais c'est con. Blue, c'est plus logique qu'il ait un Tortank et Red un Dracaufeu. En plus, dans l'anime. Dans l'anime Origins. Il a un Dracaufeu X Red. Et bah. Et bah, Dick Taber. Tauros. Bon, vas-y. Moi, je te laisse là. Eh bien, moi aussi, c'est comme ça. Bonne nuit. Vas-y, bonne nuit. Waouh, il tape fort. Il m'a fait Damoclès. Oh, il est fast, hein. Mais le class il est lent. Oh, ouais, je lui fais que ça. Ah, mais je vais galérer, hein. J'ai même pas Ankylin, je pense. Hein. Ils sont trop level. Il est trop level blue. C'est quoi la vitesse? Ah, 110, il dépasse toute ma team en fait. Attends, Ronflex il est monstrueux en quoi? En def spé. Bah, Gorino féroce, hein. Ah, mais j'ai une team méga lente en fait. Nanana. Il faut que je garde mon poké. Allez, un petit séisme. Que de faire? Ah, le fils de pute.
Ok, ça va. Le problème c'est que c'est du 4v6, notre coco. Ah je connais pas les autres. Mais non mais... Ah putain. Ah j'ai pas d'attaque vol. J'ai plus d'attaque glace PTDR. En vrai j'espère que je le dépasse. Je pouvais pas me faire vampigraine, non. Mec, je connais pas les stats moi aussi. Mais Rhino Féroce, il doit être méga lent. Ah ouais, 40. Laisse tomber. Et Noix de Coco, 55. Ouais. Non, mais je vais perdre. Je vais perdre. J'ai que colère qui est fort. Hein. Je le mets même pas mid life. Oh là 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 là. Mec, je vais galérer. Hein. Je peux même pas refaire la ligue en fait, ils sont trop forts. Ils sont juste un peu trop forts en fait. On peut pas abandonner. Parce que là. En fait, Pierre, je pourrais le battre. Ondine, je pourrais la battre. Mais pas Blue. Parce que Blue, il n'y a pas de type. Bah, c'est cool en tout cas de faire des dégâts. Vas-y Starry. Mais du coup il n'y a pas de multi-exp. Parce que moi je voulais utiliser le multi-exp mais... compliqué. Je savais même pas qu'il avait colère Léviator. Mes chances, hein, je pense. Hein. Magikia, attaque charge. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah mais non, mais je perds de l'argent du coup. Ah oh, mais c'est con en fait. Faut vraiment que je lance un match que je sois sûr de win. Ah oh, j'avais oublié ça. Oh, on fait chier. Attends, c'est quoi la team de Pierre? Est-ce que je peux la battre? Ah mec, je peux pas hein, à cause de Ptera. Hein. Ptera, je vais galérer. Hein. Je peux tenter, mais si je bats pas celle de Pierre, j'en battrai aucune en fait. Mais c'est quoi sa ville? Ah c'est Argenta. Mais pourquoi je jouerais pas Pikachu en fait dans mon équipe? Mec, tant Pikachu il est super fort, autant l'utiliser. Ah ouais, d'accord. 64. Ah ouais, mec. Ok. Attends, j'ai.
On peut pas classer par level. Ah ouais, 67 là. Pikachu 3600, j'ai un problème. Ah ouais. Ah ouais, le Gravalanche. Mais mec, mais il est 20 fois plus fort que Rhinophéros du coup. Bah let's go. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je m'attendais pas à ça en fait. Bah là ça devrait aller normalement. Après je connais pas les attaques de Pika mais je fais au moins Ondine. Ondine je devrais lui rouler dessus avec Pikachu. Mais je sais pas si j'ai la belle lumière. Je vais regarder. Ah mais y'a pas d'objet dans le jeu. Oh, oh là là, c'est vrai. Oh c'est nul ça, pas d'item. Est-ce qu'il y a les talents au moins? Oh, il n'y a pas les talents et les objets. Parce que c'était trop chiant à faire. Ah ça c'est nul. Oh j'avais totalement oublié ça. Ah ça c'est de la merde. Ça je n'approuve pas. Je n'approuve absolument pas les non-objets. Ok. C'est le moment de gagner des matchs. En fait, dans le lore Pokémon, c'est quand tu fais la quête des badges, ils ont pas leur vrai team. Contrairement à ce que l'anime peut laisser penser. Oh, bâtard! Après mec, les Poké de boue, ils ont 10 levels de plus. Là, c'est pas le cas. Ah si, le multi-exp est activé. C'est quoi les attaques de Pikachu? Je suis un grand Pika qui va niquer des mers. Ça sera qu'il y a les pièges de roc. Tonnerre, cage éclair, piqué sprint, double pied. Ah non, ça fait que 50. Ah mais c'est parce que ça fait un crit à chaque fois. C'est pour ça que c'est super fort. Oh oh. Au revoir, Pika. Non mais mec, genre il tient. Mec, c'est un Pikachu, s'il te plaît. Oh bâtard. À quel moment il switch? Ah mais j'ai besoin de Pikachu. Mais je savais pas qu'il pouvait faire ça. Il va sûrement me faire séisme. Mais mec, à quel moment ils peuvent switch les dresseurs? Mais je crois que leur IA elle est plus élevée, c'est pour ça. Oh merde, il me dépasse.
Oh. Je vais devoir renvoyer la classe, je pense. Hein. Attends, mais ma cam elle est pas dans le bon sens. Je viens de voir. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, le class en fait il fait méga mal. Oh! Ah ouais. Ah, mais non, il y a éboulement. Ok, ça je le dépasse. Et voilà, lui c'est celui qui me fait le plus peur. Yes. Non. Oh non, je switch. Nique ta mère. Hein. Nique ta mère un moment. C'est quoi ça, mec? Tu dois avoir 20% de flinch. Oh, j'ai besoin de Loclas pour Swite. À quel moment mes seuls heals, c'est ça? J'ai pas de super potion? Enfin, d'hyper? Bon, séisme x4, hein, je pense pas qu'il tienne. Nani. Eh, il termine l'éboulement, hein. Le coquin. Ouais, mais non, Pikachu, je veux le garder pour Kabutops et Monistar. Est-ce qu'il me dépasse Kabutops? Il a 80, Pikachu, il a... Oh, je le dépasse! Large! Non mais c'est pas possible! Bah tant pis, je le fais avec Pikachu. Non mais mec, il me flinche deux fois, c'est quoi ça? J'ai pas 20 milliards de heal. Bah je le pose sur ma... Je fais un rappel max. Hein. Bon par contre, Ptera, je le dépasse pas. Ça c'est... Obligé de pique à sprint. Mec, tu lui mets un ballon à Pikachu, il est invincible. En vrai, Dracolo s'y tient. Ah, peut-être pas. Ah, je vais pas le gagner, je pense, hein. Faut que je sacrifie Magikarp. Ouais, mais ça explique tellement peu les fights, je pensais pas. Les captures, c'est vraiment trop fort. Hein. Parce que Amonistar, il va me dépasser. Sinon, il me l'enverrait pas. Enfin, il est à quoi de jet. Même pas. Au moins, je vais taper bien, quoi. Ah, c'est tout. C'est tout. Vas-y, Magikarp. Let's go. Oh, ça me ferait chier de perdre un fight, là.
Oh mec, il est que là dans sa barre. Ouais, faut pas XP en fait. Hein. En fait, ça sert à rien de faire les matchs pour XP. Parce que ma team, elle est pas assez forte. Je vais envoyer un tonnerre, hein, histoire d'assurer le... Mais attends, un crit, ça ajoute combien de dégâts? Coup critique, Pokémon. Ça fait quoi? Ça fait x2 ou 1,5? 2 fois le niveau du Pokémon de l'attaquant plus 5 divisé par le niveau du Pokémon attaquant. Hein? Ah, la puissance dépend de ton level. Donc level 64. 64 x 2 plus 5. Donc 133 divisé par 64. Mais c'est con. Donc ça veut dire l'attaque elle est x2. Donc c'est plus fort d'utiliser Pika Sprint. En plus il y a une meilleure attaque Pika, je savais même pas. Ok. Après faudra que je rase l'autre là. Mec, s'il pouvait paralyser Pika Sprint, ce serait tellement fort. Est-ce que j'ai buté Léviator? Bah non, mais il en a pas. Je dis de la merde. En vrai, je vais tenter Ondine. Hein. Ah, bah c'est bon. Hop là. Le Axe a joué un peu dans ce match. Ouais, 14 000 quand même. Hein. Oh, les matchs ils en valent la peine, mais faut la team quoi. Le problème c'est que tu peux pas XP vite dans ce jeu. À part avec les Pokéballs. Et vu que t'as besoin d'argent, c'est hard. Vas-y, on se remet à une musique tranquille. Attends, j'ai cru que j'allais bugger. Petite save. Faut que je commence Pika du coup. Pika lui il va être 13 hein, dans le match. Thank you.
Regardez ses stats à quoi quoi quand même. Ouais, il peut me faire mal, hein. Il me dépasse pas normalement. Ça fait chier. Il va me brûler à tous les coups, voilà, c'était sûr. Bah en vrai, j'ai pas besoin de... Je dépasse toute sa team, je pense. Peut-être pas Léviator. Ah si, Léviator aussi. Et du coup, je peux plus utiliser le... Si je me fais aqua jet, je suis mal. J'aime bien comment il me regarde. Il est marrant. Putain, ils font chier, hein. Les typos, ils sont tous meilleurs en spécial. Pas Staros, mais... Aquaqua qui est... Oh, mais putain, mais c'est pas possible. Non, mais mec, j'ai tenu à 1 PV, je suis brûlé, c'est quoi ça? Vas-y, rentre, rentre. Rentre dans la bolle, je sais. Tu as souffert. Est-ce qu'il est rapide, Staros? Oh, 115 de vitesse. Excusez-moi. Ah mais il me dépasse tout le monde. Après, Loclas, il le butera jamais, mais quand même. Est-ce que c'est un type 6, Staros? Oui. Putain, il est underused. Qu'est-ce qu'il a de si bien? Je sais pas, c'est pas... Il est pas très intéressant. Bon, je le roule dessus, hein, Amandine, par contre. Elle ne peut pas me faire grand-chose. Ce machin a que de faire. J'espère Magikarp il évolue là. C'était pas le plus malin ce que je viens de faire. Je viens de me dire. Bah ouais. Attends, c'est quoi les stats de la Mantine? Oh putain, il pue la merde. Et Gravalanche. What the fuck? Ah, 115 en def, ah ouais. Ah ouais, d'accord. M'étonne pas que Cascade, mec, il tienne autant. Bon, Hydrocanon, impossible que je tank ça. Oh! Parce qu'il m'aime, il a enduré. Et là, il se fait apeurer. Oh, au moins tu grattes. Bien joué Gravalanche. Mais au moins il est bien. C'est pas un petit con. J'aimerais qu'il évolue. J'aurais aimé qu'il évolue. Ça fait chier.
Oh, il a une attaque monstre après. Il est PU, putain. Ça m'étonne qu'elle ait pas de Lockless. Ah ouais, parce que Blizzard c'est plus intéressant qu'Hydrocanon quand t'es un Aqualie. Parce que tu veux me geler. Mais c'est sûr ça va arriver, il va réussir. Ah bah non. Bah ouais, tu fais un peu plus de dégâts. GG wellplay. Non, ça peut être intéressant. Peut-être pas Pierre, mais Ondine de la faire comme ça à chaque fois. Ça peut être bien. Parce que ça donne pas mal. Par contre, Magikarp, il évolue quand là? Parce que vraiment, c'est abusé ça. Ouais, pour 1000 d'XP, on va le faire évoluer. Je m'arrête après. Ouais, il est 3h du mat quand même. Je suis un malade. Mais faut, hein. Faut être actif. Oh, des piaf avec. Mille d'XP, on doit avoir ça en 5 piafs, je pense. Oh putain, que 93! Excusez-moi! Ah ouais, faut que j'en capture 10 alors. Encore même pas des L. Ouais, non. Non, peut-être pas, quoi. J'ai pas un type vol là. Ouais, nickel, j'ai Dracolos. On va aller ici, hein, c'est être un peu plus rapide. Ce sera un peu mieux, hein. J'espère lui rentrer, hein, parce que Nosferalto, il vole. Hein. Normalement, il m'en faut juste un. Un ou deux. Nice. Ouais, il m'en faut deux. Pika 65. C'est pas comme si t'étais assez fort, toi. Qu 70 kilos, la bête, hein. Bah, au revoir mec. Ça me saoule, hein, qui me bouffe des balles comme ça et qui se casse. Je connais ça avec les shiny, c'est sûr.
J'ai pas très envie de l'attraper, lui. Ah. Ils sont bien les Rhinophéros, qui bougent pas. Après, il est rouge, hein. Parfait. Le jeu il m'aime pas, je pense qu'il va se barrer. Là je pouvais pas faire mieux. Hein. Ah su. Allez hop, à gauche. Mec, je fais que des excellents et rentre quand je le fais pas, ça me saoule ça. Bon, au moins il est assez. Hop, magie. Bon bah c'est cool. Bah du coup on va s'arrêter là, hein, sur cette petite évolution. Je vais regarder s'il y a un gros tank à spawn. Oh, un matoufeu, mais wesh. Mec, mais matoufeu il est bien plus rare que Goroutan. Ouais, il y en a pas. Allez hop, déconnexion. Voilà, petit Léviator, on est content. Écoutez, c'était très cool comme petit stream avec Mister. En toute modération plus. Petit Léviator. A voir ce qui me manque du coup, XP. C'est vrai qu'il n'avait pas d'attaque. Du coup, dans le Dex, qu'est-ce qui me manque? Il me manque 28 poké. Là, des évolutions à la pierre lune. Ici, pierre plante. Échange, échange. Échange. Lui, je peux pas l'avoir, je crois. Échange. Lui, faut que je le chope. Faut que je le chope, faut que je chope, faut que je le chope, faut que je l'évolue. Faut que je chope, faut que je le chope. Faut que je le chope et que j'évolue. Faut que j'évolue, j'évolue. En vrai, j'ai vraiment pas grand chose. Hein. Si je tryhard, en fait, ça se fait facilement. C'est juste l'XP qui est un peu chiant. Mais je suis très fast. Je pense que dans deux streams, ça sera bon. On pourra chasser, réellement. Bah écoutez, les amis, c'était incroyable. Hein. Pour ceux qui regardent les VOD comme d'habitude, bah merci de regarder les VOD. Hein. C'est dommage que vous veniez pas. Parce que je comprends vraiment pas comment ça se fait qu'il y ait autant de gens sur les VOD qui regardent, mais jamais en stream. Mais bon, hein, c'est comme ça. Si vous avez du temps, n'hésitez pas à venir, évidemment. Ça serait cool. Et voilà, comme ça, on passe du temps ensemble, tranquillement. On se dit bien évidemment à la prochaine, peut-être à demain, peut-être dans plusieurs jours, parce que je ne serai pas dispo. Voilà. Merci à tous. Salut !